Alors juste avant de commencer l'attaque du jour, petite dédicace à Rafa du 9-3 Gaming, donc qui m'a demandé de faire une petite dédicace, et donc du coup, et bon, on fait une petite dédicace, et donc du coup moi je vous dis à tout de suite pour l'attaque du jour, c'est parti! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite attaque de jour sur Clash Royale. Donc on est contre Weekend Niveau 9. Et ça, ça fait plaisir. Et donc du coup on va faire petit sourire, petite bonne chance. On va envoyer de la méga gargouille. Alors ce deck n'est pas à moi, ce deck est à Zerok. Zerok qui m'a demandé d'utiliser son deck, hein, de tester son deck. Du coup, bah voilà, pourquoi pas tester un deck. Enfin tester le deck de Zerok. Alors du coup, on va tenter de faire une bonne attaque, mais je pense qu'on va un petit peu reculer, hein. Ah ouais, non, c'est vrai que c'est quand je teste des decks, moi j'ai pas l'habitude, tu vois, du coup généralement, tu vois, j'ai du mal, tu vois. Donc on va quand même tenter de faire un bon truc, enfin de faire quelque chose de bien plutôt, parce qu'un bon truc ça se dit pas, enfin c'est pas bien de le dire. C'est un mot qui existe dans le en français, mais on n'a pas le droit de le dire. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, on n'a pas le droit de le dire. C'est quelque chose de fou, tu vois. Enfin, ouais, tu vois, c'est ça, tu vois, sinon t'as pas le droit, tu vois. Là, il va me dire, mais allez, vas-y, faut que tu places la pierre tombale, sinon c'est normal que tu n'y arrives pas. Oui, bah 2 secondes, la place, la pierre tombale, 2 secondes. Donc, il y a pas mal de défensifs au niveau des sorts. Ça, on va pas se cacher. Quoi? Oh, bah tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi. Hein? Ouais, tant mieux pour moi. Le monsieur a bugué, bah tu m'étonnes. Tant mieux pour moi, mon petit, tant mieux pour moi. Alors, ça passe ou pas? Bah voilà, nickel, regarde, tu fous l'élixir là, tranquillou, j'ai rien à faire. Donc, soit à faire. On va détruire un petit peu son géant royal. Tac. Bon, c'est déjà bien. Pour 6 élixirs, c'est déjà bien. Moi, je ne tire pas sur les tours. Hein, donc, je sais pas si si Zerok le fait. Bon, s'il le fait, c'est pas grave. Mais moi, en tout cas, je le fais pas. Alors, boum. Ça passe. Oh. T'as le seum, toi. Hein. T'as le seum, là. Hein. Oh là là là, c'est bon, ça. Ouais, par contre, il pouvait y avoir un petit boost d'élixir vite, vite. Non, trop tard, trop tard. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, on attend, on va faire attendre plutôt, ce sera mieux. Donc on va mettre ça à la limite, hop, petite pierre tombale. Ça fera l'affaire, hein, ça sera déjà bien. Oh là, nickel, on va mettre ça. Hop là. Hop là, là il touche le... Oh là là, magnifique, regardez-moi ça. Ah mince, il y a le géant royal, bien entendu, j'avais oublié qu'il tirait comme ça sur la tour de loin et tout. J'avais oublié. Alors, on va envoyer quoi? Oh bah c'est quoi? On va envoyer ça. On attend juste qu'il mette quelque chose. Non? Allez, mets quelque chose. Putain, le mec, il met rien du tout aussi, là. C'est pas possible, ça, mais c'est pas du jeu, hein. Regarde, j'ai rien à mettre, mon gars. Hop là, je sais pas ce que je fais. C'était tout pourri, mais bon. Je sais pas quoi faire aussi, tu sais. Y'a rien à mettre, regarde, des petits sorts de foudre. Pouf. Bah, j'ai pas compris. D'accord, ça a touché le géant royal, non? Ah non, ça devait être... Oui, voilà, c'est lui qui a dû mettre... Oui. C'est lui qui a mis le sort d'électrocution pour mes... Comment ça s'appelle pour mes... les petits squelettes, là. J'avais mal vu. Ça arrive, des fois. Bon, on voit pas forcément très bien. Fais gaffe. Attends. Stoppez. What? Le mec, il m'a victimisé. Mais vas-y. Mais c'est quoi ton truc, wesh? Mais tu veux que je réagisse comment, aussi? Moi, j'étais tranquillou en train de parler et tout. Hop là, tranquillou, je mets ma machin, et puis l'autre là, il fait comme ça et tout, il tape des mains d'un coup, quoi. Putain, t'es en stress et tout, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Là, tu vois genre un bûcheron qui arrive en mode vénère, ouais, je vais te défoncer la gueule. Et puis il y a le cochon qui arrive, je suis là, et qui est en train de chanter là, wow. Tu veux faire quoi? Et t'es là, t'es dans un monde de fou, t'es en train de rêver, c'est pas possible, t'es dans un cauchemar, tu fais quelque chose. Et là, du coup, bah, tu dis bon, je sais même plus ce que j'ai envoyé d'ailleurs, j'ai envoyé quoi? J'ai envoyé le sort de zap, tu dis bon, on va essayer d'envoyer un sort de zap, ça va pas l'arrêter, mais bon, on va quand même essayer d'envoyer. Après, tu dis bon, c'est pas efficace, on va mettre truc de squelette là, l'armée de squelettes, et hop, tu mets, seulement l'autre il prend un sort de zap. Du coup, là, tu dis bon, je me sens un petit peu con là. Ah, c'est pas possible quoi, c'est un truc de fou. Non, mais il y a des fois, je te jure, c'est... Ah, mais c'est hallucinant, quand même, des fois. Hein. Tu te fais défoncer comme ça, tu ne sais même pas pourquoi. C'est la mauvaise chance. Non, mais sûr, il y a toujours 2-3 intelligents, c'est qu'ils viennent. C'est... Déjà, les gens, ils sont tellement intelligents, toi, ils viennent et tout. Ils disent, mais non, c'est parce que t'es nul. Ah ouais? D'accord.
Bon, si tu le dis. Hein, si tu le dis, je te le dis. C'est vrai que si, par exemple, bah, imaginons. C'est comme si le mec, je sais pas, toi, comme ça, t'es dans la rue, tu marches. Et là, il y a un piano qui tombe dessus. Tu sais pas pourquoi. Le pulguier fait, mais non, c'est pas parce que t'as pas eu de chance, c'est parce que t'es nul. Fallait l'éviter. Ouais, mais mon gars, si tu l'as pas vu, comment tu veux faire? T'étais. Voilà, bon, après, c'est la mauvaise chance, c'est tout. T'étais au mauvais moment, au mauvais endroit. Voilà, et puis voilà, là, j'ai fait les mauvaises choses au mauvais moment. Et puis voilà, c'est tout, mauvaise chance. Bon, alors, du coup, arrêtons de dire n'importe quoi. Et puis, ouais, un petit deck assez sympathique. On va se cacher, il est assez. Il est pas explosif. Mais il est vraiment sympa, quoi. Tu sais, genre, il est délirant, tu vois. Tu t'amuses avec ce deck, tu vois. C'est pas un deck où t'as envie de gagner avec, tu vois. Non, c'est un deck où t'as envie de t'éclater avec. C'est genre, tu mets ton petit golem de temps en temps. Tu mets tes petits squelettes. Tu mets l'armée de squelettes pour défendre et tout. T'as ton petit sort de zap. La foudre et tout, là, qui fait tout péter et tout. C'est plus un jeu qu'une victoire. Enfin, c'est plus un jeu qu'une attaque, tu vois. Je sais pas, enfin, c'est comme ça que je le ressens. Enfin bon, en attendant, ce deck est plutôt sympathique. Juste que le sort de foot, j'aime pas ça parce que moi je peux pas tirer sur les tours avec le sort de foot, tu vois. Donc du coup, j'ai pas trop d'utilité à prendre le sort de foot, à part s'il y a vraiment des grosses troupes un petit peu de partout, mais c'est rare, tu vois. Généralement, il y a juste une seule grosse troupe et puis des petites troupes à côté s'il faut, mais c'est vrai que ça peut être utile. Notamment si t'as par exemple le géant royal tout à l'heure et il y avait le géant royal. Et la mousquetaire, bon, ils étaient pas à côté, du coup j'ai pas pu les toucher, mais c'est vrai que ça peut être pratique à ce niveau-là. Enfin bon, en attendant, j'ai rien d'autre à vous dire, je pense que je vais essayer sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool.